Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci pour vos bénédictions. Bonjour Kofi. Ok, je vais vous parler des pratiques spirituelles qui vont vous permettre de vous connecter rapidement. Bonjour, bonjour. Si vous êtes nouveau sur ma page, je vous souhaite la bienvenue. Ok, c'est la reine Jocelyne. J'ai été envoyée, j'ai été appelée, j'ai été oint pour vous servir. Je ne suis pas comme quelqu'un que vous avez vu avant parce que rien n'a de sens. Donc, tout ce que je fais, ça n'a pas de sens pour certaines personnes. Je ne rentre dans aucune case. Ok? Et la Bible. Et le ndop, et le chapelet, et ça, tout, 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 tout. Bon. Je vous souhaite d'abord la bienvenue. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour aider les gens qui ont l'esprit faible. Avoir l'esprit faible, ça veut dire que tu commences quelque chose, tu crois que ça va donner la minute après, dès que ça marche pas, tu dis que ça, oh, ça ne marche plus. Vous voyez un peu. Je vous ai mis des vidéos avec des astuces en ligne. Le don, comment utiliser le don? Le don est important, vous savez pourquoi? Sandra Chouandi, dis-moi un peu si je dois te bloquer. Parce que je suis là, je vais donner des astuces très importantes pour tout le monde ici. Donc, je ne veux pas, je n'ai pas le temps pour les questions d'ironie. Donc, si ta question est ironique, ce n'est pas intéressant. Si tu ne sais pas quel genre de conversation c'est, tu n'as pas, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Écoute-moi juste, tu as compris. Je donne tout ici sur mes vidéos. Donc, je voudrais que quand quelqu'un m'écoute et il décide qu'il veut me parler, la conversation c'est pour ceux qui veulent me parler. Tu comprends, non? C'est pour ceux qui veulent me parler. Donc, si tu décides que tu veux me parler, il faut t'assurer que tu comprends d'abord ce qui est dit, que tu fais ce que je dis. Parce que j'ai beaucoup d'entre vous dans les consultations. Depuis que tu m'écoutes, tu n'as jamais rien fait. Je donne les astuces dans les vidéos ici tous les jours. Même une astuce, tu n'as pas fait. Clarisse, il faut aller dormir. Donc, quelques astuces spirituelles. Beaucoup d'entre vous, vous avez les business. Vous avez. Vos maris ont été pris par des femmes. Vous doutez même déjà de vous. Vous ne pensez même pas que quelque chose dans votre vie peut avancer. Une femme m'a écrit hier. Oh, mon mari.
J'ai construit la maison au pays. C'est une femme qui vient plutôt dormir dedans. Kowo, je n'ai même pas le droit de partir au pays. Mon mari, cela, il me parle tellement mal. Il prend notre argent, il envoie la femme chaque mois. J'ai compris toutes ces choses-là. J'ai dit, ok. Est-ce que tu sais que tu as perdu ton pouvoir? Or, ton pouvoir se trouve où? Dans ta bouche. Et beaucoup d'entre vous, vos langues ont été salies. Je vais parler terre à terre. Tu as embrassé tellement de gars dans ta vie. Ce n'est pas de l'ironie. Tu as embrassé beaucoup de gars dans ta vie. Tu as déjà, s'il faut peut-être faire l'amour, tu sais là où ta bouche, ce qui est entré dans ta bouche quand tu faisais l'amour. Vous comprenez un peu? Que ce soit homme, que ce soit femme, vous connaissez ce que vous avez mis dans votre bouche. Vous connaissez. Dans le monde spirituel, le physique importe. Si tu as pris quelque chose d'impur, tu as mis dans ta bouche. Ou tu as pris quelque chose d'impur, tu as mis dans ton corps. Donc c'est entré à l'intérieur. Ok? Ou bien si toi-même tu es entré à l'intérieur de quelqu'un, tu es sale. C'est pour ça qu'on vous parle des bains de purification tout le temps. Par la première porte de sortie de vos pouvoirs, on va dire comme ça. Première porte par laquelle votre propre pouvoir part. C'est pour ça que vous allez voir souvent des gens que, on va dire que c'est pour ça que la Vierge Marie a dû concevoir en étant vierge. Aucun homme n'était entré. Oh, et puis on vit dans notre société. Beaucoup d'entre vous, quand vous connaissez des choses comme ça là, vous connaissez déjà, on va dire quoi? Vous connaissez déjà l'homme. Tu m'écoutes à 45 ans. Je ne vais pas te dire que oh, tu aurais dû être vierge. Non, tu as trois enfants, quatre enfants. Que faire maintenant? Écoutez, c'est qu'il y en a ici, vous êtes en train de blaguer. Mais je sais aussi qu'il y en a parmi vous, vous êtes bloqués dans tous les sens. Vous ne savez même pas comment faire. Il y a des écorces. Il y a des produits physiques. Des écorces. Des fruits d'arbres. Voilà une écorce. Quand vous mâchez, premièrement, ça va nettoyer ta langue. Ça va purifier ta bouche. Ça va restaurer ton pouvoir. Ceux qui font l'astuce d'une dent, là, j'ai reçu un monsieur ici hier, il me disait ça. Il me disait. Il m'a écouté depuis. Il n'avait rien. Il a acheté les produits hier. Il n'avait rien avant. Il a juste pris le don. Il a commencé à utiliser. Le matin. Et là, il me disait, agent immobilier, il doit tellement de personnes, tellement. Finalement, il a fait une petite transaction. Il appelait ça petite, mais bon. Il a fait une transaction qui lui a permis de venir. Il a acheté les produits peut-être de 80 000 ici hier. Au Cameroun, n'est pas qu'on a fait le DHL. Et il me dit que tu sais quoi? J'ai fait seulement l'autre ci. Ça m'a déjà restauré. Donc j'ai vu comment j'ai fait un truc. Un jour, ça a marché. Je sais qu'il y a des choses que je ne fais pas. Et vous ne comprenez pas, mais il y a des endroits où vous travaillez. Vos patrons. L'argent vient d'une grande entité. Ça vient du sommet là. Et de ce sommet là, le sommet n'est pas propre. Quelqu'un me contacte l'autre jour, me dit qu'il travaille pour c'est les Albanais, c'est les quoi là, ici à Douala. Et il dit que. Chaque fois qu'il prend le salaire, il ne fait rien avec. Rien. Il ne fait rien avec. Et qu'entre eux là-bas au travail, les Camerounais, ils sont assis, ils ont un peu réfléchi ensemble. Que toi, tu fais quelque chose avec ton argent? Non. Tu fais quelque chose avec ta part? Non. Tu fais quelque chose? Non. Ils se sont rendus compte que. Et vous, il y a des endroits où vous travaillez. Le salaire qu'on te donne là. Le but, c'est que ça entre comme ça prend toute l'énergie dans ton compte bancaire ou dans ta poche. Apprenez à reprendre votre pouvoir. Vous me comprenez? Tu travailles. J'ai eu un souci là hier, oh Seigneur.
Il me dit, donc, ma voiture est bloquée au port depuis juillet 2020, 2022, juillet, ça fait 6 mois. J'ai eu des entrées d'argent, hein. Je peux pas te dire que c'est ce qu'il fait avec l'argent. Me voilà. Il était parmi les premières personnes qui sont venues me voir en septembre. Il est parti, il a disparu 3 mois. Il me rappelle, il dit, mamie, tu sais quoi, j'ai seulement venu te voir parce que le taux, le degré, c'est largement dépassé. Il y a des écorces, des astuces. Et vos ancêtres, je veux vraiment que vous puissiez engager le mystère de vos ancêtres aujourd'hui. Tu es en Europe, tu es orpheline. Depuis 20 ans. Tes frères ont mangé ton argent jusqu'à ta paix est venue. Tu es là, elle est là comme ça, ça seule. Si vous m'avez fait quelque chose au village, personne ne va se lever pour aller faire ta part. Reprends ton pouvoir. On vient voler les choses dans ta vie parce que ton pouvoir de commandement est parti. Et je vous dis encore, quand c'est sale dans le monde spirituel, ça n'a pas de pouvoir. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de bons que je vous donne, c'est les bons de purification d'abord. Bonjour, si vous venez d'arriver. Je vois que vous êtes seulement sur le sujet. J'ai commencé à parler dans la vidéo aussi. Qui est arrivé de moi là? Le truc, c'est qu'il y en a parmi vous. Vous avez ça chez vous. Vous avez les écoles dans votre porte-monnaie. Vous n'utilisez pas. Vous vous lavez au sel depuis même 6 mois. Rien n'a changé dans votre vie. Parce que vous n'engagez pas le mystère de votre parole. Quand on part chez le marabout pour vous attaquer, on part avec la bouche. Quand on part faire quelque chose sur vous, hein, il s'assoit. Grand maître, petit maître, je veux que la femme... Et les gens quand ils partent pour vous bloquer, ils ne blaguent pas. Hein. Ces enfants ne vont pas avancer. Bloque-moi les enfants de la fille. Elle est sur Facebook chaque jour. Bloque-la. Vous me comprenez? Il y a les gens qui n'ont pas honte quand ils partent faire leur demande chez le marabout. Vous concernant. Un jour, il y a un de mes frères. Il est parti chez un marabout. Et comme par hasard, c'était un marabout qui avait eu la présence de quelqu'un qui est venu parler contre lui. Le marabout lui dit que la femme là, voilà ce qu'elle vient me demander te concernant. Que j'ai refusé de faire les parties ailleurs. Il sait qu'elle est partie ailleurs. Mais voilà ce qu'elle est venue me demander te concernant. Genre, il ne va pas aller à l'école, il ne va pas avancer. À l'école, il ne va pas avancer. Quand il va faire un truc, ça ne va pas marcher. Et effectivement, le jeune homme, quand il est là, il est élan, élan. C'est maintenant que ces choses commencent à marcher. Année après année. Adia, c'est la jalousie, le premier motif qui fait que les gens partent chez les marabouts. La jalousie. On te voit. Tu es belle. Ton mari est beau. Il te propose un gros diamant le jour de Noël devant tout le monde. Vous pensez même que vous êtes qui? Vous êtes jeune, vous avez 25 ans, 27 ans. Voilà, il vient d'avoir son premier, de décrocher son boulot, il est cadre. Il touche 1,5 million le mois à MTN ou à Orange. Tu crois que c'est tout le monde qui sera content? Tu as eu ton visa. Tu es en train de partir au Canada. Ton père te paye, il va te payer l'école. Tu vas aller là-bas étudier dans une grande école. Tu es en train de partir à Harvard, 25 000 $ l'année. Tu penses que c'est tout le monde qui est content? Voilà mon enfant ici là. Je suis sa soeur. Il doit s'occuper aussi de mes enfants, non? Hein? Il s'occupe seulement des enfants de sa première femme là-bas. Hein? Je suis sa soeur, je suis la petite soeur. Non, marabout, fais que mon frère s'occupe de mes enfants aussi. Tu vois le gars là, il laisse ses enfants. Donc voilà Noël, il oublie ses propres enfants. Dès que la soeur appelle, il faut combien? Il envoie. C'est la jalousie. Et arrêtez de croire que les gens sont gentils. Hein. Si vous savez ce que les gens partent chercher sur vous, déjà que quelqu'un a, il y a des gens parmi vous que vous les avez surpris souvent en train de mal parler de vous. Vous les avez surpris en train de mal parler de vous.
Tu veux dormir avec un homme dans le même lit. Il peut parler mal de toi, une femme, une fille qui drague dehors. Donc il dit bébé, bébé, il te fait l'amour. Après tu vois le téléphone que il a dit ah la folle là. Pardon, elle s'accroche seulement sur moi. C'est seulement à cause des enfants que je suis encore ici à la maison. Hein. Vous parlez de quoi? Bonjour. Bonjour James. Donc arrêtez de penser que c'est tout le monde qui veut votre bien. Ok, tu es parti en Europe, on va te bloquer. Tu vas faire 15 ans là-bas sans avoir les papiers. Te voilà ton front, c'est comme si ton front porte le je sais pas comment on peut dire. Partout on te rejette. Partout on te rejette. Adia, les gens là n'ont pas peur de mourir eux-mêmes après. Je te tue, je meurs dans 2 ans, mais je t'ai tué. Arrêtez de croire que tout le monde est gentil. Oui, je mets le poison dans ton verre, tu bois, tu meurs. Mais je ne t'ai pas vu avoir ta Mercedes, oui. Je ne t'ai pas vu aller aux États-Unis. Tu entres dans l'avion, pourquoi? Tu entres dans l'avion, pourquoi? Je te tue, tu meurs, on va t'enterrer. Je te tue, tu meurs. Il y a quelqu'un qui a chanté que tu peux être là, quelqu'un te tue, après il vient lui au deuil. C'est pas la blague. Vous parlez de quoi? Il t'a empoisonné, on sait pas. On dirait qu'il t'a empoisonné. Il vient à ton deuil. Il met les lunettes.